Je bois mon verre. Mais donc, on va parler du... Basta, merci beaucoup, je non, vous non, salue. Non, non, non. Je on me va casse. Parler de votre livre. Je me casse, normal, salut tout le monde. C'est normal qu'on parle du pass vaccinal. Non, 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 c'est bon, ne parlez pas de ça, ça m'a gavé. Un truc qui est peut-être pas forcément bien. Là, il n'y a pas de Covid. Là, il y a Covid. Ouais. Là, il n'y a pas Covid. Ouais. Et là, il y a Covid. Ouais, ouais, bien c'est sûr. Quoi cette connerie? Ça, vous êtes énervé, c'est par rapport à votre salle de sport aussi. Parce que bien vous, sûr. Ça vous a beaucoup, moi, j'ai perdu des adhérents, les gens ne viennent pas à cause de ça, là. À cause de cette. Pour moi, ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Vous insultez les gens. Et en plus, le président ose dire je vais emmerder les Français. Parce que moi, même si j'ai mon pass sanitaire, il m'emmerde. Vous comprenez? Et il m'emmerde vraiment. Et ça, ça m'emmerde. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus. Moi, je considère qu'on n'est pas libre. Et on est en train de diviser les Français. Alors qu'on devrait être solidaires, être ensemble. Moi, je vois les samedis, les gens qui manifestent se font tabasser par les flics, sans raison. J'ai encore vu des vidéos récemment. Je passe mes soirées, je vous assure, Jordan, sur TikTok. Et j'entends des trucs qui sont juste aberrants. Pascal Praud, extraordinaire ce mec. Extraordinaire, il dénonce. Il ose dénoncer. Ouais, je crois sûr, que c'est un des seuls qui dénonce aujourd'hui. Donc le pass vaccinal, là, c'était voté, ça y est, hein, cette nuit-là. Oui, on était tous dans nos pieux, hein, donc on s'est bien fait. Voilà, ils nous ont bien emmerdés avec ça, et ils vont continuer de nous emmerder avec ça, et je pense que c'est pas fini, c'est que le début. Et ouais, ça monte un petit peu, là, ça m'agace vraiment ce truc-là. Ça n'a aucune utilité, on le sait aujourd'hui, le pass sanitaire, le pass vaccinal ne protège pas contre la maladie. Donc à quel moment, vous là, nos policiers... Le vaccin lui protège, vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'il dit, oui, c'est ce qu'on dit. Non, il protège des formes graves. Oui. Il protège des formes graves. Moi, quand j'entends Delormeau, je vais parler de lui, tiens, parce que lui m'agace en ce moment. Je le regarde sur TPMP, et le mec il prend des grands airs là, de monsieur Delormeau, de je sais pas qui il est celui-là. Pourtant c'est quelqu'un que je connais, hein, que j'apprécie. Mais là, là je trouve que Mathieu, t'es en train de donner une image de toi qui me déplaît, dans le sens où en fait... Pour quelle raison? Parce qu'il vise les non-vaccinés du doigt. Ouais, je veux dire, un truc comme ça. Si, je peux le dire. Mais non. Je l'emmerde, voilà. Mathieu, je t'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous dites un truc pareil? Parce que ce mec-là m'agace, il ose dire, il annonce des chiffres, il ne connaît rien. C'est comme Maître Divisio qui dit... Lorsqu'un État vous prend une partie de votre liberté, il ne vous la rendra pas. Et effectivement, ils ne nous rendront jamais notre liberté. C'est fini, on l'a perdue. C'est bon, je bois mon verre. Mais donc, on va parler du... Basta, merci beaucoup, je non, vous non, salue. Non, non, non. Je on me va casse. Parler de votre livre. Je me Mais casse, salut normal, tout le monde. C'est normal qu'on parle du pass vaccinal. Non, 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 c'est bon, ne parlez pas de ça, ça m'a gavé.